Salut à tous et à tous, c'est GameRangus, c'est BZHD, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui c'est une vidéo, les techniques d'achat en vente. Donc on va sans plus tarder vous présenter la toute première technique d'achat en vente. Je pense que vous la connaissez tous. C'est en tout d'abord, on va acheter par exemple, je vais vous faire un exemple, Benassia. Il doit coûter aux alentours des 1300 crédits. Vous l'achetez par exemple 1300 crédits, vous prenez celui qui a un style de préférence, s'il n'en a pas, ce n'est pas grave. Par exemple moi ici, je prendrais, j'en prends pas, j'augmente 200 crédits, je prends 7,99 de forme. Pas minimum, je pense que dans le minimum on prend 5-6 de contrat et 90 de forme, et vous le revendez 600 plus cher ou 1200 plus cher, entre 600 et 1200 plus cher en fonction du prix que vous l'achetez. Si vous l'achetez à 2000 crédits, c'est normal, vous allez mettre 1200 plus cher. Et la deuxième technique que je vais vous expliquer, c'est la tech avion. Par exemple, vous achetez un joueur comme Lewandowski, par exemple. Lewandowski, vous allez acheter un Lewandowski aux alentours des 30 000 crédits. Vous allez prendre 30 000 crédits, vous essayez de le prendre avec le plus de contrats et de formes, si possible, avec un style de préférence, vous le prenez le moins cher. Après, ce que vous faites, vous l'envoyez dans votre club. Dans votre club, ce que vous faites, vous lui rajoutez une forme s'il lui en manque et un contrat. Ce que vous faites, vous calculez 10% du prix acheté, vous faites 10% plus encore 15%, ce qui fait un total de 25%. Non pardon les gars, je me suis trompé, c'est 15%. Il faut un total de 15%. Vous rajoutez 5% plus 10%. Les 5% de taxes plus les 10% de bénéfices. Puis après vous rajoutez en fonction des contrats que vous avez mis 1000 à 2000 crédits plus cher. Ce qui par exemple, si vous l'achetez 30 000, vous allez mettre aux alentours de 35 000 crédits. C'est à peu près les gars, j'ai pas calculé, faut vous utiliser le site Futbin les gars. C'est un conseil, utilisez le site Futbin. Alors il y a une troisième technique, c'est la Tech Avion Plus. Vous achetez des joueurs par exemple, encore Benassia, vous achetez Benassia 1300 crédits. Vous lui mettez un contrat pour qu'il y ait 50 contrats par exemple, ou 25 contrats, ça dépend les gars, ce que vous voulez. Et vous le mettez 2000 crédits plus cher. Et les gars, c'est pour lister beaucoup, mais moi je vous conseille la Tech Avion et la Tech BPL, la première que je vous ai présentée. C'est les deux plus fiables du marché, moi c'est celle que je pratique en ce moment. Là je vais recommencer l'achat-revente. Je vais essayer de vous faire des vidéos d'achat-revente, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un max de like et de me le demander dans les commentaires. Donc après les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a aussi des autres techniques que vous pouvez faire, la tech avec des styles. Vous chopez des chasseurs, vous le mettez sur des joueurs, par exemple vous achetez un joueur à 1000 crédits, vous essayez de choper un chasseur pas cher et vous pouvez le vendre 2000 crédits plus cher. Ça tout dépend les gars. Donc aussi il y a une autre technique que vous pouvez faire, c'est par exemple vous mettez un style, je sais plus si elle marche très bien, mais moi je la pratiquais à un moment. Par exemple vous mettez chasseur, vous mettez max achat immédiat, vous mettez 2000 crédits par exemple, vous mettez en or. Par exemple vous cherchez les joueurs qui sont bien, Welbeck, vous regardez s'il y en a des moins chers, vous leur listez 1000 à 1500 crédits plus chers. Vous faites ça sur tous les joueurs possibles. Par exemple un Kagawa, je le chope à 1000 crédits, je leur mets 2500 crédits les gars. Donc vous faites cette technique. Aussi je pense que c'est toutes les techniques qu'on peut faire les gars, il y en a plein des techniques d'achat-revente, en fonction de chez vous. Moi par exemple je peux faire un joueur, je peux faire Zlatan en achat-revente, c'est pas forcément pour ça qu'il va marcher chez vous. Je vous conseille d'essayer chaque technique. Après il y a la tech changement de poste, vous achetez un joueur en BU. Vous l'achetez en BU, vous le mettez en MOC. Vous achetez des changements de poste les moins chers possibles, ou vous l'achetez directement en poste MOC et en fonction du prix où il est. Par exemple, s'il y a un Zlatan, on va reprendre en BU, vous voulez le mettre en MOC. Zlatan normal, imaginons, il coûte 100 000 crédits. Le Zlatan en MOC, il coûte 130 000 crédits. Vous achetez les styles et vous le remettez 125 000 crédits. C'est un exemple les gars, c'est pas pour ça que forcément ça va marcher sur des joueurs comme ça, faut faire sur des joueurs un peu moins chers. Donc les amis, voici tout pour cette vidéo, donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. C'était Wizzy, portez-vous bien, peace.